ensemble dit merci au Seigneur pour cette rencontre. Ouvre la bouche et dis merci à Jésus.
Amen. Bien, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grande et ma joie de vous revoir encore ce matin. Amen. Amen, parce qu'il fait déjà jour. Hein. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le son de prière Penuette. J'ai fait une annonce à la télé, peut-être que les gens m'ont compris parce que j'ai eu l'interprétation que les gens donnaient de ça quand je m'ont interpellé un peu partout. Je n'ai pas dit qu'on délocalise Zaroko. Et ça là, vraiment, je ne sais pas comment les gens écoutent les informations à la télé. J'ai simplement dit l'ouverture d'un centre de prière à Divo. Ici, c'est un centre de retraite, c'est bien précisé. Le centre de Zaroko est un centre de guérison, de délivrance. Qui est notre laboratoire. C'est là-bas que nous faisons la délivrance des malades, des gens qui ont la trentaine de la folie. Nous les enchaînons de l'autre côté, nous prions pour eux, pour leurs miracles, pour leurs guérisons. Zaroko est notre base. Nous ne quitterons pas Zaroko. On dit Amen. Amen. Nous ne quitterons pas Zaroko. Amen. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur de faire, de rester à Zaroko et de travailler. C'est ce que nous avons fait pendant une année. Nous avons travaillé à Zaroko. Il fallait vraiment être, n'est-ce pas, ici c'est le Divo est le département, est, n'est-ce pas, chef lieu du département de tous ces cantons, de toutes ces petites villes, c'est-à-dire Iré. Il fallait avoir au sein de Divo un centre. Non seulement ça, parce que Zaroko, il y a un problème d'abord de communication. Il fallait vraiment communiquer. Nous autres, nous combattons un mal qu'on appelle la sorcellerie. Et il y a une désinformation qu'ils apportent sur ce ministère. En fait, la sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique. Nous sommes à une phase de la sensibilisation. D'abord, il faut sensibiliser les gens amener les gens à comprendre que la sorcellerie, on peut guérir de la sorcellerie. Parce que ce qui les gens intriqués dans l'esprit des gens, c'est que quand tu es sorcier, on doit te tuer. C'est tout. Il n'y a plus de miséricorde, il n'y a pas de pardon, il faut qu'on te tue. C'est ça. Mais nous autres, nous disons, mais un sorcier, on peut l'aider à abandonner la sorcellerie. Amen. 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 On peut l'aider à abandonner la sorcellerie. Amen. Oui, parce que c'est un être humain. Et en lui, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Et cet esprit-là, il n'a pas acheté sa chaussée, ni à Kinkash. Donc l'Église doit être celle qui délivre, pas celle qui condamne. C'est pour ça que Jésus s'est présenté comme le médecin. Il dit qu'il est le médecin et que nous sommes des malades. Et c'est cela que la sorcellerie est une maladie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une possession démoniaque. L'esprit vient posséder ton âme, ton esprit. Tu n'as plus de volonté. Tu es contrôlé par un démon. Et quand on te dit de donner, tu donnes. Et là-bas, c'est la tontine humaine. Tu n'as pas donné ton nom, tu manges en retour. Nous avons vu un cas comme ça à Zaroko, où une dame devait tuer, donner sa fille. C'est pas marché et elle est morte après. Donc quand quelqu'un atteint la sorcellerie, on peut l'aider. Et c'est ce qui est dans l'esprit des gens. Il faut tuer. Et c'est cela qu'il est. Nous sommes nous autres en tant qu'église. Nous condamnons cette pratique où on fait danser les cercueils, ça coigne les gens. Il y a une région quelque part, on appelle ça article 11. C'est-à-dire quand le cercueil te coigne, on te tue, tu accompagnes le corps. Mais en tuant le corps, l'être humain, tu as tué aussi. Tu es comme le sorcier. C'est des criminels. Oui. Je ne vous dis pas non, mais il a besoin d'être délivré. Une personne qui atteint de la sorcellerie, elle a besoin aussi de délivrance. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de cet esprit. Et c'est ce que nous traitons ici. Amen. Amen. C'est ce que nous traitons dans notre ministère. Vous savez, Dieu donne à chaque homme de Dieu une onction. Une onction. Amen. Il y a ce qu'on appelle les choisis, et puis il y a ce qu'on appelle les appelés. Les choisis sont ceux qui portent les visions. Tu es choisi, Dieu te donne une vision. Il amène les gens appelés à t'aider dans cette vision. Notre vision consiste à libérer les gens des œuvres de la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Amen. Amen. La sorcellerie qui détruit l'Afrique. Et les Blancs, ayant compris ça, ont combattu d'abord la sorcellerie au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15, 16, 17e siècle. La chasse aux sorcières, ils ont pratiqué ça là-bas chez eux. C'est vrai qu'ils ont mis une méthode en place. La destruction, c'est qu'on prenait les sorciers, on les brûlait. Les Blancs ont brûlé les sorciers à leur époque, au bûcher. Ils sont entrés dans le cercle qu'on appelle le cercle de lumière de la révolution industrielle. Parce qu'ils ont compris qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde visible, et puis il y a le monde spirituel. Mais c'est le monde spirituel qui commande notre monde physique. C'est pour ça que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné d'abord dans les cieux et sur la terre. Les cieux que le monde spirituel.
Et ils ont la capacité de bloquer ton devenir. Ils ont la capacité de t'enfermer. Ils ont la capacité de te nuire. Et là où est combattue la sorcellerie, la prospérité s'installe. Amen. La criminalité spirituelle s'arrête. Amen. Parce que ceux qui mangent les âmes des gens, ce sont des sorciers. Et pour nous, en tant que ministère de la compassion des âmes, qui fait partie d'une confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, les crimes spirituels existent. J'ai eu des débats avec les blancs même par rapport à ce sujet. Vous dites qu'ils ont voulu me faire croire que ça n'existe pas. Ils disent merci. Mais c'est vous, mais les scientifiques, vous avez parlé de âme. Vous dites que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Démontrez-moi, A plus B par la science, parce que vous voulez que je prouve les choses. Démontrez-moi l'âme de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, un être humain, c'est quoi? Démontrez-moi, scientifiquement parlant. Mais vous croyez à ça? Vous croyez que l'homme est composé d'une âme, d'un esprit? Et donc la science nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Je leur dis, vous, en tant que scientifique, il y a des choses que vous serez incapables d'expliquer. Incapables d'expliquer, parce que Dieu, c'est des mystères. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Et moi, j'ai été victime de la sorcellerie. J'étais aussi victime de la sorcellerie. Je ne croyais pas à la sorcellerie. C'est mon père qui était d'abord victime, les morts. Et après ça, c'est quand même tué en série dans la famille, jusqu'à mon niveau, jusqu'à ce que Dieu me délivre aujourd'hui. Fils de musulman. Mon père est musulman, ma mère est peu humaine, fils de musulman. Jusqu'à ce que Jésus-Christ me délivre et qu'il m'appelle à son service aujourd'hui. Pour que je me serve aujourd'hui. Amen. Donc, je suis prêt à aller jusqu'au bout, même au prix de ma vie. Amen. Amen. Pourquoi ce combat? Ça n'a rien à voir une question de religion. Ça n'a rien à voir une question d'ethnie. Non. La sorcellerie existe. Si elle existe, qu'est-ce que l'Église fait? Parce que vous savez que l'Église que nous sommes, c'est en nous que Dieu a donné le pouvoir. Si, l'Église, je ne parle pas de l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Le corps de Christ en général. Nous tous avons cru en Jésus-Christ, nous formons une Église. Je ne parle pas de domination, je suis des catholiques, je suis des pentecôtes. Non, non. Une Église, c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église fait face à ce fléau? Parce que Dieu compte sur nous. Il dit dans Chronique, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom ce midi est pris, je les ossierai. Lorsque j'ai appris ici, la France 24, l'incapacité de l'OMS face à la fièvre Ebola, j'étais le premier homme de Dieu d'avoir communiqué là-dessus, sur le net, et j'ai dit, mettons-nous ensemble, prions. De ceux qui pouvaient m'attaquer, on m'a attaqué. J'ai dit, mais si l'homme, l'être humain, dit qu'il a échoué, si l'OMS dit qu'il ne peut rien contre ce fléau, qui est en train de décimer, détruire notre continent, qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Parce que là où l'homme échoue, Dieu ne peut pas échouer. Amen. Vous êtes nous levons dans la prière et que nous combattons ce fléau. Et c'est ce que nous allons faire. Nous avons fait d'ailleurs à Zaroko. Nous sommes levés en train de prier. La semaine qui a suivi, il y a eu un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que les gens disent, ils ont fait un test. Ça a marché sur deux Américains. Ils ont envoyé le médicament au Libéria. Et ça a porté. Nous avons barricadé la Côte d'Ivoire et nous continuons toujours de prier pour ça. Amen. Que cette fièvre détruise l'Afrique. Oui, vous voulez pas qu'on regarde notre Afrique, chère Afrique, comme un continent très sale. Oui, c'est ça. C'est le regard que l'Occident. C'est ça. C'est la communication que les gens font au niveau de l'Afrique. Pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourtant, de l'Afrique sort tout. À l'Afrique, c'est un scandale géologique. Il y a tout en Afrique. On n'avait pas envié. Non, les Blancs. Mais le seul problème, c'est un problème spirituel. Notre problème, il est très spirituel. Nos parents, sorciers qu'ils étaient, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tous ces problèmes. Amen. Amen. C'est ça que nous devons prier pour qu'il y ait un grand réveil spirituel. La conversion des cœurs, pour que les gens abandonnent certaines pratiques, pour que l'Afrique soit totalement bénie. Parce que c'est vrai que les gens disent que l'Afrique est pauvre. C'est ce qu'ils ont dit. Mais les gens disent que l'Afrique est pauvre. Mais ce continent pauvre est convoité par tous les autres continents. Même les Asies, même l'Europe, les Amériques. C'est ce continent que tout le monde convoit. Nous avons tout ici. Mais le seul problème aujourd'hui, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Et il y a la définition de la sorcellerie, sort du mot lanceur de sort. Celui qui lance un sort est un sorcier. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de quelqu'un qui a un esprit. Il y en a plusieurs formes de sorcellerie. Regardez quelqu'un en voulant le nuire. Passer parmi tous les chemins pour le nuire. C'est une forme de sorcellerie. Et quand il y a la sorcellerie quelque part, l'Église doit détruire ce pouvoir. Amen. On dit amen. Amen. L'Église doit détruire ce pouvoir. Et malheureusement, même dans nos églises, nos hommes de Dieu prêchent moins là-dessus, parlent moins. Notre problème, vous savez, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine et puis la réalité occidentale. Moi, il y a des prédications que je ne peux pas prêcher en France, nous ne comprenons pas ça. Non, ça ne peut pas passer. Ça, c'est clair, parce que nous avons une réalité. C'est en fonction de la réalité que le message a donné. Moi, je ne peux pas dire en France, je ne peux pas dire en France, monsieur, venez, vous convertissez-vous. Si vous convertissez, Dieu va vous donner l'argent. Il va me dire, mais tu es maître, tu es malade. Viens à l'église, mais tu dis ça en africain, va venir. Tu dis à un Africain, ton problème c'est la sorcellerie, il me viendra à l'église. Tu dis c'est un blanc, il ne va pas comprendre que c'est la sorcellerie. Parce qu'ils ont déjà réduit que ce n'est plus dans leur résistance. Notre problème aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Il faut que nous soyons délivrés.
non seulement ça, des pouvoirs sataniques, mais en même temps de la mentalité, de tout ça, pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. Donc c'est un centre de prière appelé Péniel. Péniel qui veut dire la face de l'Éternel, la présence de Dieu. Amen. Notre base, c'est Zaroko. Zaroko n'a pas été localisé, non. Zaroko reste Zaroko. Amen. Zaroko reste Zaroko. Ça, je tiens à dire à tout le monde. Nous restons toujours à Zaroko. Les pasteurs sont venus me rejoindre ici parce qu'on avait une cérémonie aujourd'hui. Ça fait maintenant pratiquement bientôt 3 semaines que nous avons ce bâtiment. Voilà. Donc, il fallait vraiment communiquer là-dessus parce que les gens souffrent. Je vous assure, les gens souffrent. Ils ont des problèmes de sorcellerie. Et il y a des maltraitances d'enfants souvent dans les maisons. Ah, on l'a pris comme sorcier parce que les gens disent que le sorcier ne change pas. Il ne va jamais changer. Il est sorcier, il ne va jamais changer. Non, nous disons, non, Dieu est capable de changer le cœur d'un être humain. Dieu est capable de changer le cœur d'un être humain. Amen. Transformer le cœur d'un bandit. Amen. C'est la conversion. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Amen. Même si quelqu'un est bandit, il est voyou, il est sorcier, un enfant, ce n'est pas la peine de le maltraiter. Dans d'autres endroits, on les frappe. Donc tu peux frapper quelqu'un qui est possédé, c'est son corps physique qui frappe. Mais l'esprit. Donc nous avons décidé, par la grâce de Dieu, selon la vision de Dieu, de mettre sur place quelque chose, c'est un système de communication pour que nous soyons, que les gens puissent avoir accès à nous. Voilà, accès à nous pour que nous puissions vraiment traiter ce problème qu'on appelle la sorcellerie. Si quelqu'un est sorcier, librement vous l'envoyez ici pour que nous puissions nous débarrasser de la sorcellerie. Amen. 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 Nous puissions vraiment nous délivrer de la sorcellerie. Amen. Ici, nous ne traitons que ça. Nous ne parlons que ça. La preuve, c'est que le monsieur qui vient de danser, excusez-moi, je vais présenter mes invités. Amen. Amen. Je vais aller très loin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Oui. Pendant que je parle de cet esprit, il faut présenter des gens, sinon tu vas aller très loin. Tu risques même de finir la veillée comme ça. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous présenter mes invités. À commencer par ce monsieur. C'est un frère. Il est le président de Afrique Prestige, qui est ma nouvelle maison de distribution. Amen. Voilà, c'est cette maison qui est chargée maintenant de distribuer les CD. Amen. Au départ, c'était une autre maison qui distribuait mes CD. Je voulais changer de maison, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. Donc, j'ai remis les œuvres au bien-aimé qui est un frère en Christ pour nous aider à faire véhiculer le message de Dieu au travers de nos œuvres. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est venu aussi avec tout son staff. Amen. Amen. Je vais aussi présenter. Le frère Patrice, lui vient carrément de l'Allemagne. Amen. Et c'est sa toute première fois en Côte d'Ivoire. Il m'a suivi pendant des temps sur le net. Voilà, parce que c'est à partir du net que les gens découvrent. On a plus de besoins à l'extérieur, même la diaspora. C'est vrai qu'il y a trop de besoins. Et par la grâce de Dieu, au travers de nos vidéos, nos messages, beaucoup, non seulement se sont convertis. Moi, j'ai connu des gens musulmans en Suisse qui se sont donnés à Jésus-Christ au travers de nos vidéos. Il y a certaines personnes qui ont repris vie parce qu'ils ne voulaient plus, parce que c'est ça la stratégie du diable, empêcher les Africains de venir investir. Ah, je ne fais plus confiance à quelqu'un, j'ai peur et on reste en Europe. Voilà, c'est ça la stratégie du diable. Maintenir les bras balés là-bas, les têtes. Et depuis qu'on a commencé à communiquer sur la sorcellerie, quel sorcier peut changer, quel sorcier peut être délivré, qu'on peut être protégé contre les œufs de la sorcellerie. Aujourd'hui, ça a porté. Mais le bien-aimé, c'est un Camerounais, il a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que vraiment, que moi-même je l'accueille depuis la réforme. Que je l'amène ici à Divo. Il allait connaître Zaroko. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas venu les bras ballants. Il a même envoyé des dons, un gros valise qu'on a offert aux enfants de Zaroko. On a nommé ça la chefferie. Voilà, parce que le combat que nous menons, c'est vrai que nous avons délivré le carton Vata. Je suis resté pendant une année dans le carton Vata. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça a porté. Parce que à Zaroko, il faut dire, c'était un lieu où les gens tuaient. Un village où les gens mouraient par semaine. Mais depuis notre présence là-bas, la criminalité spirituelle s'est arrêtée. La mort est naturelle. Ce qui meurt maintenant, c'est les vieilles personnes qui meurent à Zaroko. Amen. Parce que là où la sorcellerie est combattue, la criminalité spirituelle s'arrête. Amen. Et cette histoire de Zaroko est partie par cette dame qu'on appelle Elisabeth Dobé. Tout est parti d'elle. Elle aussi. Elle était en France, moi j'étais en pleine croisade, j'étais en mission à Dalois. Elle aussi a eu mon contact au travers du net. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi, mon service de communication d'abord. Et pour ma voix c'était un peu difficile.
Voilà, c'était difficile. Et quand c'est eu, j'ai donné une révélation. Parce qu'elle avait commencé à être paralysée. Elle marchait avec des béquilles. Voilà, depuis la France. Et je lui ai donné une révélation. Pour dire, parce que c'est ça. C'est ça le prophétique. Il faut avoir la capacité de détecter et puis d'aller détruire. Amen. Donc, notre ministère, là, c'est plus pratique. Nous sommes des hommes de terrain. Voilà, nous sommes des hommes de terrain. Pour nous, ce n'est pas une question de parler. Nous sommes des hommes de terrain. Donc, je donne la révélation. Effectivement, nous sommes allés à Zaroko. Et le canari a été déterré. Elle a jeté les béquilles. Et puis, elle a commencé à marcher. Amen. Le Seigneur l'a miraculeusement délivré. Et tout est parti d'elle. À partir d'elle, les gens de Zaroko m'ont demandé d'œuvrer à Zaroko. Ça a créé tout ce que ça pouvait créer. Parce qu'on avait commencé. Oh, les gens commençaient à se soulever, c'est normal. Et après ça, ils m'ont même chassé du village. Ils ne voulaient pas que je reste au village. Dès que je suis sorti du village, il y a eu 7 morts, plus de 10 morts dans la semaine. Les sorciers ont pris, ils ont mangé copain, ils ont mangé tétra, ils ont du riz gras, chapitaine, ils ont mangé sauce, akeke, tout. Si le monsieur la rentre, c'est grave. Ils ont brisé d'autres personnes, ils ont mangé agressi et tout ça. Et après ça, quand je suis rentré dans le village, sur la côte, j'ai parlé et la mort s'est arrêtée. On a commencé à œuvrer, on a détruit les c'est ça la sorcellerie. Détruit les canaries mystiques, il y avait de la chair humaine. On a même enlevé dans le dispensaire de Zaroko un cardinal mystique. Le dispensaire continue depuis 95. Depuis 95. Jusqu'à aujourd'hui, pas d'ouverture. C'est qu'on a détruit le cardinal, qu'on a affecté l'infirmier de Zaroko. Voilà. Zaroko n'avait pas d'eau potable à Zaroko. Il n'y avait pas d'eau potable à Zaroko. Cependant, nos croisades d'évangélisation. Parce qu'à Zaroko, tout fois qu'on faisait des forages, ça se détruisait. Ils sont venus une fois, ils ont enfoncé le fer dans la terre, le fer s'est fondu à Zaroko. Oui. Parce que la sorcellerie, c'est anti-développement. Ils sont anti-développement. Et j'ai donné une révélation. J'ai dit, pendant mon séjour, Dieu permettra qu'on vous donne un forage ici. Et c'est ce qui a été fait. La société minière est venue créer un forage aujourd'hui dans de l'eau potable. Nous pouvons clamer Jésus. Tout est parti d'elle. Et nous sommes en train de œuvrer dans le Bata. Depuis que nous sommes dans le Bata, nous devons encourager les cadres de venir investir dans leur région. Et c'est ça le combat que nous menons. C'est de permettre aux gens. Si nous étions tous abusants, les gens ne viendront plus dans leur village. Voilà, notre ministère, c'est pour gagner les villages à Jésus-Christ. Amen. Gagner les régions à Jésus-Christ. C'est notre ministère, ça. Permettre au maximum de personnes de rentrer dans leur village et être en contact avec, n'est-ce pas, leur réalité. Voilà, parce que ce n'est pas forcément le gouvernement qui va développer, c'est les filles de la région qui développent leur région. Donc, en décembre passé, notre ministère a organisé, par la grâce de Dieu, ce qu'on appelle Arbre de Noël à Zaroko. Nous avons fait plus de 1000 cadeaux, des cadeaux aux enfants à Zaroko. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, organisé une compétition de football. Et ça nous a pris 333 000 francs pour permettre aux gens de comprendre que Zaroko est chez eux. Ils ont besoin de venir toujours à Zaroko et de développer Zaroko. Amen. Et pendant ces vacances-ci, j'ai organisé, comme je suis moi-même chante, j'ai organisé compétition de variété scolaire version chrétienne, bien sûr. Compétition de variété scolaire version chrétienne avec la vision chrétienne, des versets bibliques à reprendre, ainsi de suite, beaucoup de choses à la fois. La remise des récompenses, c'est demain. Pourquoi? Permettre à la jeunesse de venir à les vacances au village, parce qu'il y avait peur. Il y avait une expérience dans le passé où les gens venaient en vacances, quand ils repartaient, les gens mouraient. Donc il fallait venir. C'est ça le combat que nous menons. C'est vrai que les gens nous combattent parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une relève. Parce que quand on veut ou pas, il faut préparer la relève. Et la Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits et l'écrasera nos ennemis. Nous avons œuvré dans cette région. Mais il y a une relève, il y a la jeunesse. Il faut préparer cette jeunesse pour dire à cette jeunesse, ne vous donnez pas à l'alcool, à la drogue. Mais vous devez maintenant marcher avec Jésus-Christ. Il faut tous les systèmes de communication en place pour les attirer et pour les gagner à Jésus. Donc nous avons organisé une compétition de variétoscope. Et la récompense, c'est aujourd'hui, c'est dimanche là, à partir de 15h. C'est sur ça qu'il y a metté la tour Crespino. Viens la tour, viens, s'il te plaît. Voilà. Amen. Voilà, la tour qui n'a cessé de me soutenir. Toute fois que j'ai besoin de lui, qui est toujours à mes côtés. Lui et moi, ça ne s'adapte pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que nous sommes ensemble. La grâce de Dieu. Et il est un peu souffrant. J'ai dû faire un effort pour être là. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, par la grâce de Dieu. Amen. Nous serons aujourd'hui dimanche à Zaroko pour récompenser la jeunesse et tout ça. Parce que pour nous, il faut gagner cette jeunesse. Voilà. L'Asto, il a trop de fans là-bas. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, il faut en profiter pour évangéliser les gens. C'est donc eux qui sont la relève de demain. S'ils ont une idée arrêtée de leur village, ils ne viendront pas dans leur village.
ils ne viendront pas. Ils considéreront ceux-là, les enfants, ils ne pas mettre les pieds dans leur village. Ceux doivent travailler à Zaroko, quel est le fruit des Zaroko? Oui, il faut laisser quelque chose. La conversion des cœurs. Il faut permettre aux gens d'aimer leur village. Donc notre ministère ne divise pas. Non, non, non. Nous ne divisons pas. Nous ne mettons pas dans la tête des gens que non, elle n'est pas dans vos villages. À toi que Dieu te bénisse. Ça va, ta gloire. À mon Saléo. Amour. À mon Saléo. Amour. À mon Saléo. Amour. À mon Saléo. Amour. Amour. Bien, bien. À mon Saléo. Amour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Donc nous ne divisons pas des gens. Non, nous ne divisons pas. Non, 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 nous ne divisons pas. Il faut dire des choses clairement. Il y a la sorcellerie. Il faut combattre ce mal. Et même si quelqu'un est dans la sorcellerie, il faut délivrer cette personne. Donc voici le travail qui a été fait dans le Vata. Il fallait que l'on fasse à soi cette œuvre. Et il faut travailler avec la jeunesse. Justement, tu la relèves. Et c'est ça, nous n'avons pas cette culture africaine. Non, non, non. On n'aime pas préparer les gens. J'ai une génération qui passe, une génération vient, une autre génération. Il faut préparer cette génération. Et cette génération, il faut la mener à ne pas avoir peur de leur village. C'est ce qu'ils ont fait pendant les vacances. En décembre, je suis resté en décembre. J'ai fait le 1er janvier à Zaroko. Pendant que les gens étaient en ville. Le 1er janvier, j'avais même sur ma date d'anniversaire. Mais je suis resté à Zaroko. Vous faites ça. Pour aider les gens. Parce que regardez, le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire des nations les disciples. Il dit, allez, Amen. Ça c'est l'ordre que Dieu donne, mais faites des nations les disciples. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Celui qui a évangélisé, il faut permettre à cette personne de s'asseoir dans la foi. Amen. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le canton Vata. Amen. Amen. Ce qu'ils sont en train de faire dans le canton Vata, permettre à cette jeunesse de comprendre qu'il faut Jésus-Christ et d'aimer leur région et de développer cette région. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons déjà commencé par la grâce de Dieu. J'ai demandé aux gens d'aider les enfants de Zaroko. Nous sommes en train en contact avec certaines personnes qui viendront réhabiliter le dispensaire des Zaroko. Parce que l'église ne doit pas être celle qui tend seulement la main, elle doit se donner. L'église aussi doit donner. Amen. Voilà, l'église doit donner. Nous sommes en train de. Après cette cérémonie, il y aura la cérémonie où nous allons réhabiliter le dispensaire des Zaroko. Parce que le dispensaire des Zaroko est encore là. Hein. Il faut que ça soit réhabilité pour que l'infirmier prenne fonction. On ne peut pas parler de développement sans santé. Est-ce qu'on parle de santé, de développement, c'est qu'il y a la santé dedans. Donc, il faut forcément l'ouverture du dispensaire. Et c'est le combat que je suis en train de mener par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il remettait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui venait par le Saint-Esprit ou fermer, envoyer mes yeux, tout ça. C'est l'argent. Il faut réhabiliter tout ça. Il faut mettre un dispensaire pour que cette femme, quand elle travaille à Zaroko, qu'elle est directement, si elle avait accouché, qu'il y ait une femme. Plutôt un infirmier pour l'aider à accoucher. Donc c'est le travail que nous sommes en train de mener d'ailleurs même à Zaroko, chercher les voyages moyens pour que Dieu doit, pour que Zaroko soit développé. Amen. Donc Amen. L'église est un moyen de développement. L'église doit accompagner les gens dans le développement. Donc notre ministère, nous aidons la nation ivoirienne, nous aidons les régions à entrer dans le développement. Amen. À ne pas avoir peur, à entrer dans le développement. Le fait que les gens viennent ici, le monsieur, c'est la première fois, ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, déjà ça l'ouvre l'esprit. J'ai déjà échangé avec lui. Déjà, il a des bonnes idées. Vous voyez, quelqu'un comme ça qui quitte la. Mais c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Il réalise qu'il y a des choses qui se passent ici en Côte d'Ivoire qu'on doit même soutenir. Il me parlait de ça, tout ça. Amen. Amen. Donc, voici le combat que nous menons. Sinon, que moi, je serais peut-être à Abidjan. Assez à Abidjan. J'ai dit aux gens, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Ayez seulement Jésus. Une fois que vous avez Jésus, aucun sorcier ne pourra vous atteindre. Amen. Non, j'ai peur de mon père. Et ça, j'ai dit, c'est un danger. Un homme de Dieu qui vous dit, faut avoir, si tu as peur de ton papa, ne dis pas bonjour à ton père, ou il ne va pas dans ton village à cause de la sorcellerie. Il ne maîtrise pas la sorcellerie. Il ne maîtrise pas le monde spirituel. Parce qu'on a Jésus, le sorcier n'est plus rien contre nous. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On a Jésus-Christ de Nazareth avec nous, le sorcier ne peut rien contre nous. Amen. C'est une promesse biblique. C'est une promesse biblique. Amen. Matthieu 10, verset. Matthieu 10, verset combien? 19. Il dit quoi? Je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire.
J'ai vécu tellement d'événements, tellement de choses dans le ministère. J'ai toujours la protection de Dieu. J'ai rencontré les sorciers les plus terribles, redoutables de la Côte d'Ivoire, dans mon ministère. J'ai toujours la protection de Dieu. Amen. La seule chose qu'il nous faut, c'est Jésus. Amen. Oui, la seule chose qu'il faut, c'est Jésus. Et j'aurai l'occasion d'expliquer certaines choses. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont chrétiens, mais qui n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites sur leur vie. Amen. Amen. Le fait qu'aujourd'hui, ils sont même esclaves de la sorcellerie. Bien qu'ils soient à l'église, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines bénédictions. Amen. Quand on a Jésus-Christ, c'est synonyme de bénédiction. Parce que Jésus a vaincu la malédiction à la croix. Amen. Que, avec sa vie, nous soyons bénis. Et quand il y a la sorcellerie dans nos vies, c'est caractérisé par la malédiction. On ne peut plus avoir accès à une bénédiction, un mariage, des finances. C'est tout ça que le diable détruit, dégrade dans nos vies. Bien sûr qu'on soit à l'église, comme dame qui était dans un temple, dans le temple, dans la synagogue, pendant 18 années, c'est lorsque la vie de Jésus est rentrée, que Jésus a délivré cette femme bossue. On peut même être à l'église et privé de beaucoup de bénédictions, parce qu'on est sous l'emprise de la société. Amen. Aller à l'église n'est pas synonyme de délivrance. On a accepté Jésus, on a le salut. Mais délivrer, c'est entrer dans sa bénédiction. Quand on est vraiment délivré, il dit déliez-le et laissez-le aller. Et quand tu es délivré, tu es vraiment délivré. Parce que tout ce qui te touche prospère. Amen. On dit amen. Amen. Tout ce qui te touche prospère. Amen. C'est ça le combat aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es intelligent, certes, tu es intelligent. Mais tu n'arrives pas à vivre de ton intelligence. Parce que quelque part, ils t'ont enfermé dans une prison. Ils ont la capacité de fermer les gens dans une prison. Les sorciers. Donc, la présence de la sorcière dans une région est un danger. La présence d'un sorcier dans une maison, dans une famille, est un danger. Et les gens sont animés d'un esprit méchant. Ils ont la capacité de sortir de leur corps et vous maîtriser. Tu vas demander à un sorcier, ils ont un pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de lier les gens. Ils ne délient pas. C'est pour ça qu'ils ne font jamais du bien avec ce qu'ils ont. Tu vas demander au sorcier, mais tu as un pouvoir. Mais pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi tu ne fais pas telle fortune, non? Pour nous, là, c'est pour gâter. Mais le chrétien a les deux pouvoirs au monde. On dit amen. Amen. Le lier et le délier. Amen. Nous avons le lier et le délier. Donc, il faut comprendre que le chrétien a un pouvoir. C'est ça, le chrétien a un pouvoir. Et quand on a un sorcier dans une famille, c'est un danger. Quand il y a un sorcier dans ta famille, c'est un danger. C'est un danger. Parce qu'ils savent. Ce qu'on appelle les toits, les connaissent. C'est les mages qui ont vu les toits de Jésus. Ils ont vu les toits de Jésus. Ils sont venus dire à Hérode. Vous savez, les sorciers sont à la recherche d'une information pour agir. C'est pour ça que si tu ne maîtrises pas une personne, c'est elle qui va te renverser. Oui. Si vous vivez avec une personne, maîtrisez cette personne. Si vous êtes avec une personne qui cherche à creuser vos vies, qui cherche à tout savoir, dans le but de vous, d'ailleurs, il y a des gens, eux, ils creusent vos vies, et quand vous apprenez des choses, pas pour vous aider. Parce qu'il y a des gens qui ont un esprit critique pour aider des gens. Mais il y a d'autres pour nuire. Oui. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour t'aider. Par contre, il y a des gens qui s'approchent de toi pour te nuire. Mais à base d'une information. C'est à partir d'une information sur ça que si tu ne maîtrises pas quelqu'un sur ton toit, c'est lui qui va te détruire. Les gens avaient une information de Jésus-Christ. Ils sont allés donner ça à Hérode, le roi Hérode. Nous avons vu l'étoile d'un enfant roi. Et la Bible dit qu'il a été trouvé parce qu'il a entendu parler d'étoile. Amen. Amen. Mais quand tu entends parler un enfant qui vient de naître, on dit qu'il a eu l'étoile et toi tu es troublé. Parce que pour lui, c'est lui seul qui devait régner. C'est lui seul qui doit être béni dans la famille, pas une autre personne. Et la royauté, c'était pour lui dans sa famille, pas ailleurs. Il fallait trouver l'endroit où vivait l'enfant. Donc une information, on envoyait les gens, mais une enquête pour localiser l'enfant et le tuer. Et c'est comme ça, arrivé là-bas, Marie et Joseph. L'ange est venu, il a apparu à Marie et Joseph pour dire, il y a un méchant, il y a quelqu'un là qu'on appelle Hérode qui en veut la vie de l'enfant, amenez-le en Égypte. J'ai dit, mais je me pose la question, mais pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Et pourquoi c'est en Égypte? Dieu pouvait protéger l'enfant Jésus, mais Dieu savait ce qui devait arriver dans les temps. Je suis d'ici 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en Égypte ici, l'Égypte, qui est l'Afrique. On dit amen. Amen. C'est notre Afrique qui a servi de refuge à Jésus. Dis amen. Amen. C'est l'Afrique, c'est ça qu'il faut prendre ça au sérieux, l'Afrique. Nous les Africains, nous ne devons pas nous sous-estimer. Non. Nous avons quelque chose à porter à l'humanité. Amen. Nous avons apporté quelque chose à Jésus-Christ. Amen. La civilisation est partie de l'Afrique. Amen. C'est l'Afrique. C'est à partir de l'Afrique ici que Jésus-Christ
son problème de sorcellerie a été traité. C'est après la mort d'Hérode, c'est après cette mort d'Hérode que Dieu a dit à Marie et Joseph, amenez l'enfant parce que celui qui en voulait sa vie est mort. Ça veut dire que du vivant de Hérode, Jésus-Christ n'allait pas vivre. Il allait l'emmerder. Parce qu'il y a des gens qui feront tout pour te nuire. Parce qu'ils te maîtrisent. Ce serait qu'il faut marcher à celui qui peut t'aider. Amen. Amen. Oui, parce qu'ils sont à la recherche d'une information. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont un système. Ils ont un système en place parce que pour nous, la sorcellerie, c'est tout ce qui vient nuire. C'est là la nuisance, la destruction. Le monsieur, même si tu n'attends pas en rêve, mais le fait que tu mettes un plan en place qui détruit, c'est ton sorcier. Qui ne parle pas bien de toi. C'est-à-dire, lui, ben c'est ça. Toute fois qu'on parle bien de toi, lui, il vient déformer et apporter une autre information. Pendant qu'on parle bien de toi pour construire ta vie, lui, il vient donner une autre information. C'est une autre forme de sorcellerie. Au lieu de t'aider, il vient pour te nuire. Donc, il y a des gens comme ça qui sont avec vous. C'est, vous savez, Jésus-Christ, c'est parce qu'il savait qui était Judas. Il savait bien Judas. Il dit, c'est un fils. Il dit, c'est lui le diable. Mais Judas est rentré dans l'intimité de Jésus. Et où l'a arrêté Jésus? C'est à Gethsémani. Il savait exactement l'heure à laquelle on pouvait attraper Jésus. Il dit, cette heure-là, il est à Gethsémani. Et dans la présence de Dieu, dans son intimité. Et c'est là qu'il allait attraper Jésus. Donc, il y a des gens qui viendront, feront tout pour te mettre dans ton intimité, pour te nuire. Oui, regardez. Même si tu as une information de quelqu'un qui tu penses qu'il vit mal, ou même il fait tout, la moindre chose, c'est de l'aider. On dit amen? Amen. C'est de l'aider. Pas pour le nuire. Il faut l'aider. Et nous, en tant, c'est ça le problème aujourd'hui, les gens qui ont l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'on peut ne pas manger l'âme d'une personne, mais on a ça, chercher à détruire. Non, je n'aime pas sa tête. Le fait même de dire je n'aime pas sa tête, c'est une forme de sorcellerie. La vie, tu aimeras ton prochain corps. Amen. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc les gens feront tout pour te nuire. Ils feront tout pour te détruire. Ils mettront tous les systèmes en place pour nuire à ton ministère. Ils mettront tout un système en place. Quand tu aimes une personne, tu es prêt. Je verrai Dieu. Dieu a aimé le monde qui n'a pas tenu compte de nos péchés. Il n'a pas tenu compte de nos erreurs. Il n'a pas tenu compte. Il a donné son fils en sacrifice. Et quand on aime quelqu'un, on se donne en sacrifice pour sauver cette personne. Amen. On se donne corps et âme pour sauver la personne. Malheureusement aujourd'hui, l'Église condamne, l'Église détruit, l'Église ne cherche pas à aider, on cherche plutôt à détruire, on cherche plutôt à nuire. C'est ça qu'il faut se méfier. Aujourd'hui, il y a un système en place. Même les cas, vous voyez, même les cas de visite aujourd'hui. Pour que les sorciers, quand ils veulent travailler, ils cherchent à avoir un point de contact. Ils cherchent à avoir un point de contact dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut avoir un agent. Ou bien ils travaillent quelqu'un de la maison. C'est pour ça que quand tu veux, tu vis sur un toit, ton toit, il faut être rassuré que tous ceux qui sont avec toi ont la même vision que toi. Ce n'est pas une question de non, c'est ma soeur ou mon papa, mon parent, non. Est-ce que la personne compose comme toi et voit comme toi tu vois? Sinon, c'est un danger pour ta maison. Amen. Amen. Sinon, c'est un danger pour ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être rassuré que ceux qui sont sous vos toits appartiennent à Jésus. Et que celui qui n'est pas à Jésus, qu'il accepte de marcher avec Jésus. Sinon, c'est un agent du diable dans votre maison. Amen. La personne va récupérer une information pour vous nuire. Elle a recherché une information pour vous détruire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Même avec les cas de visite, vous voyez les cas de visite aujourd'hui. Là, pour t'avoir une cas de visite, un mystique peut t'avoir. Tu prends la cas de visite, tu mets dans ta poche, ou dans ton porte-monnaie, le contact avec ton porte-monnaie, lui, plusieurs contrôle ton argent. Il y a des gens aujourd'hui, avec le contact physique, on a vu ça dans le passé. Les sangs d'histoire des sexes perdus, là. Ça venait pas? C'est une forme de sorcellerie. Le monsieur te salue seulement, puis tu perds ton sexe. Ça veut dire que le phénomène avait pris un peu partout. Même la nation, tout ça. Donc, eux, ils ont un contact. Le contact avec ton corps humain, le contact, ils injectent des choses dans ton corps. Quand tu pars, c'est comme le GPS. Et ils te contrôlent depuis même la France. Ils te contrôlent. Ils ont ce système de surveillance. Quand tu touches à quelque chose, ils gâtent. Quand tu touches à quelque chose, gâte. La sorcellerie, c'est une science, mais occulte. Elle aussi est évolutive. C'est une science occulte. Ils ont loin dans la capacité de vous détecter quelque part et de vous nuire. C'est une science. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Qui a révolté contre la sorcellerie? Amen. Qui a révolté contre la sorcellerie? Amen.
Amen. Amen. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Si, ils sont intelligents. Très intelligents d'ailleurs. À chacun, Dieu a donné une destinée. Nous avons une bénédiction. Mais la bénédiction est bloquée. C'est bloqué. Amen. Amen. Faites très attention. Celui à qui tu marches, il faut savoir qui il est. Sinon, celui qui va te nuire. Amen. Amen. Judas n'est pas venu d'ailleurs. Il faisait partie des disciples de Jésus. Il complotait des choses. C'est vrai qu'il avait un talent. Vous savez pourquoi Judas acceptait Dieu? Jésus acceptait Judas. Mais Judas avait un talent, c'était un économiste. Celui qui gérait la caisse, il travaillait très bien. Mais il n'avait pas de bonnes intentions vers Jésus. Il a déjà pu venir dans un ministère. Il n'a pas de bonnes choses. Et là, sous le service. Il peut être dans ta maison, mais il peut être contre toi à cause d'une bénédiction. Tellement que tu prospères, ça l'énerve. Il devait être directement un agent, une antenne du diable dans ta maison. Il te nuit. Amen. Amen. Ici, nous réglons tous les problèmes. Je suis même en train d'écrire un livre, c'est ça. Amen. Amen. Destruction des œufs de la sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie qui nous nuit, qui nous détruit aujourd'hui. Une fois qu'une personne a la sorcellerie, cet esprit-là, vous ne pouvez rien. Seul Jésus peut l'arrêter. Parce que la capacité de vous contrôler, vous savez que tout part de la nuit. La nuit. Ils ont le pouvoir de contrôler ça, la nuit. Et tout ce qui doit arriver, va t'arriver la nuit. Tout s'est arrivé la nuit. Tous nos coups de tasse sont dans la nuit. L'arrestation du Jésus s'est faite dans la nuit. Donc, eux ont la capacité de te manger quand tu dors, et ils neutralisent ton âme. Ils détruisent certaines choses. Amen. Amen. La femme, les deux femmes prostituées qui vivent dans la même maison, il y a eu un troc. L'autre, son enfant est mort. Ils ont troqué l'enfant. Donc, il y a, eux, chez eux, ils font des trocs. À cause de la chair humaine. Parce qu'ils sont accro à la chair humaine, ils sont accro à l'âme. J'explique l'âme. Il y a l'esprit et l'âme et le corps. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Tu vas demander à un scientifique, je ne vais jamais t'expliquer l'esprit. L'esprit est là, l'âme est là et le corps est là. Mais l'âme se trouve dans le sang. Selon Lévitique 17-21, l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Amen. Amen. Donc, à contact du sang, on peut même te détruire. À contact, vous avez l'empreinte digitale. Tout ça là. Le sang. Ton vêtement. C'est ça qu'il faut faire très attention. Avant de te détruire, ils vont forcément prendre quelque chose de toi. Comme ta chaleur, ta sueur à toucher, le contact avec le sang. Le pied, l'empreinte, ton contact. Vous savez qu'avec l'empreinte, ici, c'est pas trop développé, mais ça commence la police scientifique en Europe. Quand quelqu'un vient te dire, non, ça fait de la fuite, non. Ils vont commencer à fouiller la maison, vérifier les objets qu'il a touchés. Au travers, ça avec son empreinte, on peut faire sortir son image. Et c'est comme ça, eux. Avec tout ce que tu as touché, tout ce que tu donnes, ils peuvent faire sortir ton image et te contrôler. C'est une science, la société occulte. Amen. Amen. Oui, au travers de ta sueur, au travers de ton contact, au travers des choses que tu touches, ils peuvent déjà contrôler toute ta vie. Il peut me déposer quelque chose, un objet. Tu penses que c'est rien. Mon travail de ça peut contrôler ta vie. Amen. Amen. Donc la sorcellerie, c'est un mal que nous devons tous combattre. C'est un mal que nous devons tous combattre. Et si une action n'a pas été menée dans ta vie, il sera difficile pour toi d'avoir accès à certaines bénédictions. C'est ça que la Bible dit. Jésus, Dieu est tellement clair. Il dit, j'ai choisi David, mon serviteur, je le point. Qu'est-ce qui a été fait qui est frère de sorcier? Qu'est-ce qui a été fait sur ta vie? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle action qui a été menée sur ta vie? Vous n'avez plus que les regards sur ta vie. Vous n'avez plus que les gens accès à ta vie. Parce que tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Tu as l'impression que tu es contrôlé par quelqu'un. Parce qu'on te donne un rendez-vous et tu vois que c'est pas ça, c'est chaque jour. Ça veut dire que quelque part, tu es convaincu que tu es contrôlé. Que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne s'assoit pas pour pleurer. On cherche une solution. Amen. Amen. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu donne une solution. Amen. 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 Dieu donne une solution. Amen. Il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qu'on appelle les choisis. Il y a des gens que Dieu a choisis. Il y a des gens à qui Dieu donne l'onction pour régler certains problèmes. Amen. Amen. Quand vous rentrez dans l'hôpital, à l'hôpital, on va vous conduire directement vers le médecin généraliste. Vous rencontrez le médecin généraliste. Après consultation, il va vous conseiller un spécialiste. C'est comme ça. C'est ça, quand vous lisez dans Corinthiens le chapitre 1 à partir du verset 4, verset 6, on dit il y a diversité de dons. Mais le même Seigneur, diversité de ministères. Le seul problème, c'est que quand tu ne peux pas partir de ma congrégation, c'est fini, je blâme ton don.
C'est ça le problème. Ah non, 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 il n'est pas avec nous. Mais est-ce qu'il lui, le monsieur, est-ce qu'il n'a pas Jésus? Si, si, il a Jésus. C'est ton frère, c'est ta soeur. Amen. Amen. Donc, il faut un spécialiste. Donc, ton problème demeure parce qu'il n'y a pas de spécialiste pour régler ton problème. Donc, quelqu'un qui a un problème surgical, c'est-à-dire on doit t'opérer. Et puis, tu vas vers un généraliste de jeunesse qui te conduira directement vers le chirurgien. Amen. Amen. Il dira que non, c'est pas lui. C'est vrai qu'il a, mais c'est le chirurgien. Amen. Amen. Donc, tant que tu n'es pas tombé sur le spécialiste, il sera difficile que Dieu règle certaines choses. L'onction, c'est comme ça, l'onction. Ils ont cette onction. Eux, c'est leur domaine. Le problème de sorcellerie, dès qu'il te touche, donc sa présence seulement. Vous voyez notre Rambo là. Hein? Ça n'a pas besoin de consulter un moustique. Une fois c'est privilégié, quelque part, quand le moustique rentre, ça ne met pas. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui ont cette onction. Ils n'ont pas besoin, mais leur présence physique suffit pour neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Amen. 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 La présence même physique suffit pour neutraliser la puissance de la sorcellerie. La présence physique. J'étais à San Pedro, aller rendre visite à quelqu'un. Il m'avait donné rendez-vous, un monsieur. Il m'a donné rendez-vous. Et j'ai appuyé sur le portail. Et c'est la servante qui est venue m'accueillir. Pendant qu'elle venait, je sentais des présences sataniques. Je sentais des présences. Qu'elle arrivait à mon niveau, elle est tombée. Si, si. Elle a poussé, crié, elle est tombée. Oh, crié, démon. Elle voulait m'agresser. J'ai commencé le combat. Commencé à la combattre. Combat cette fille. Les gens sont sortis de la cour, de la maison, commençaient à avoir peur. Malade. Et je sais, c'était bagarre. Donc j'ai remis tout le monde. J'ai dit, c'est une séance de délivrance. Ils sont venus assister. La fille servante était sorcière. Donc, elle possédait, contrôlait la vie du monsieur. Le monsieur, quand il va vers la servante, ça va. Mais le jour, il veut, ta femme le touche, ça parle. Non, il ne répond pas. Non, il ne répond pas. Quand la femme le touche, c'est fini. Mais la fille, ça va. Donc, ça devient bagarre. Ça, ça va être parlant dans le foyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parlant. La fille gérait le monsieur. Elle possédait la vie du monsieur, contrôlait le monsieur. Elle a fait tout sortir dans les avions. Là, la dame a su que le monsieur cherchait coucher avec la servante. Et j'ai fait la délivrance. Mais l'esprit savait que ma présence dans la cour allait libérer. Donc elle venait. L'esprit était. L'esprit m'a attaqué depuis la porte. J'ai parlé au démon. Le démon est tombé. On a chassé. Et j'ai amené la fille à la conversion. J'ai dit, mais c'est important parce qu'ils ne pourront plus te supporter dans la maison. Ils cherchent à rentrer en famille. Et c'est comme ça que le monsieur a été délivré. Il a regagné son frère. Amen. Amen. Donc, la délivrance. Amen. Alléluia. Les gens, leur onction. C'est pas leur présence. C'est ça que c'est pas leur présence. Détruit beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement quelque chose, s'il vous plaît. Selon la parole de Dieu. Donne-moi la Bible. Nous allons toucher un peu quelque chose. Oh, je vais réveiller un peu mon chantier. Attends, ta voix est partie, non? Ouais, ta voix est partie. Abba Bouillon, Jésus a gagné moi. Abba Bouillon, Jésus a gagné moi. Abba Bouillon, gagné moi.